Bon, normalement, c'est bon. Aujourd'hui, on ne fait pas saut d'obstacle. Normalement. Normalement, on part dehors en balade, entre guillemets. Mais je pense que ça va être un cours détente. Parce que j'aime pas arriver au club et dire « Je suis malade, je suis pas bien. » Tu sais, ça fait meuf, ça fait victime. Je suis pas une victime. Bonjour les bébés. Bonjour les bébés. Bonjour bébés. Bonjour les bébés. Oh là là, elles sont chiantes ces mouches. On en a marre nous des mouches. Hein? On en a marre nous des mouches. Oui, on en a marre. On en a marre nous des mouches. C'est bon les pommes. Oh là là, c'est bon les pommes. Non maman. Doucement. 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 On part en balade. On part en balade. On est parti, on est parti. Ah maman. Hein. Allez. À toutes. Allez, c'est quelle maman. Allez bébé. Allez. Je rêve où tu pètes en même temps. J'étais pas si fatiguée que ça au final, donc je suis contente. Même si on est parti à l'extérieur, bah, j'ai quand même fait galop, j'ai quand même fait obstacle. Bon, j'ai pas trop forcé, mais vous savez, quand on sort à l'extérieur, on fait les obstacles au-dessus des palmiers, c'est trop génial. J'adore. Et voilà, donc c'était super cool. Là, je vais vite faire 2-3 courses parce que ce soir, il y a Laura qui vient manger à la maison. Je suis trop contente. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de ses nouvelles d'ailleurs. Mais non, on savait tous les jours, on savait, ça se dit, on savait. Je l'avais tous les jours au téléphone. Elle a été un petit peu malade. Après, bah, moi, ce week-end, j'étais un peu occupée. Puis, elle avait un emploi du temps un peu chargé. Enfin, ça a coordonné pas. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment là qu'on s'est pas vu. Ça fait une bonne semaine. Ça fait une bonne semaine qu'on s'est pas vu. Mais là, du coup, on se voit ce soir. Elle vient manger à la maison. Donc, je suis super contente. Je vais faire... bon petit poulet au four avec un gratin dauphinois, mais je voulais pas faire un gros gratin dauphinois, vous savez, je voulais faire dans les petites cassolettes, ouais, les petites cassolettes. Je voulais faire des petites cassolettes de gratin dauphinois en accompagnement du poulet. Donc voilà, c'est parti, let's go aux courses. J'y vais avec te dégaine, je suis dégueulasse, j'ai de la terre partout, c'est une catastrophe, c'est pas grave.
que je sais pas comment t'expliquer. On regardera sur internet. C'est le bébé pas ça. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que ça sort des nouvelles branches et que j'en sors. J'ai une douleur. Donc bienvenue chez moi. J'accueille les gens sans me laver. Je sens le poulain. Je fais cuisiner mes invités. Bienvenue chez Mélanie. Bon alors maintenant j'ai. Hola. Buenos dias. Et maintenant, attends, ouvre ce tiroir. Je peux pas parce que j'ai des mains. Là, ouais, tu appuies comme ça. Ouais, nickel. Et tu prends les connards. Un petit peu de non pour une meuf qui sait pas cuisiner. Je trouve que t'as plutôt beaucoup de vocabulaire culinaire. Pour peut-être mettre les épluchures de patates. Non, on parle de la soirée comme ça. Le H il va serrer. Ok, on va parler comme salut, ça. Salut le H. Est-ce que ça a quelque chose pour mettre les. Tu peux prendre la poubelle, tu la mets dans les pieds et tu mets toutes tes épluchures dedans. Attends, viens, je t'en donne. Bah, c'est bon, franchement, oui. Si ça te va, moi ça me va. Bah oui, regarde, c'est nickel, regarde. J'épluche avec l'économe la patate. Ah, je mets l'épluchure dans la poubelle. Dans la poubelle. Fais gaffe de pas te tromper, de le mettre dans mon chignon. Ça serait cool. Déjà que je sens le poulain. On fait un super dîner pour le H. j'ai cru que t'allais dire on fait un super binôme. Aussi. Après, tu vas apprendre à faire un gratin dauphinois. Oh, c'est génial. Là, franchement, c'est le gratin à qui ? À Jean-Fi. Tu sais que tu m'aides de ouf là, hein, parce que c'est un truc que je déteste faire, éplucher les patates et après, il faudra les couper en lamelles. Oh punaise. Oh, mais où j'ai atterri ? Non, mais sortez. Alors, t'as vu notre poulet comme il est beau ? Bon, franchement, Bruno, qu'est-ce qu'il est patate, t'as vu comme j'ai rajouté des petites olives. Alors, fais voir si t'as bien bossé, toi. Yeah. Hop, la poubelle, hein. Belle, est-ce qu'on se ferait pas les petites patates, là ? Très belle. T'as vu très, ça ? Très bien. Moi, je pense que soit t'es sujet A. Ouais, aussi, ouais. Soit pas du tout. Ouais. Parce que moi, j'en ai jamais vu et je mets les sièges chauffants, hein. Il fait 42 degrés. Hein. Ouais, moi aussi j'adore mettre les sièges chauffants. C'est bon, faut que je fasse gaffe parce que j'ai des. Comme des. Alors, je vais mettre là-dedans. Le truc, c'est que j'ai pas trouvé de ramequin. Donc ça, c'est des boîtes de rangement en verre. Je sais même pas si elles vont au four. Mais écoutez, j'avais trop envie de faire mes petits gratins là-dedans. Donc, bon, j'ai un peu forcé sur le beurre quand même. Donc voilà, patates, on met là-dedans et on met tout au four. Bien beurré mes petits moules. J'ai enlevé le surplus. Et là, maintenant, je vais mettre mes patates dedans. Alors, est-ce que les patates sont cuites ? Oh oui, c'est bien cuit, ça va sortir. Et là, on a notre poulet. Mais on dirait qu'il se régale. Hein ? Ouais, c'est trop bon, ça manque de sel. Pff, comment tu mens ? Non, la vie de ma mère. Ah ouais ? Bah, ouais. Bah, lève ton gros cul, va chercher le sel. Alors, je vais lever, mais pas mon gros cul, parce que j'ai pas le cul. Voir. Mais je me lève quand même. 11-12 ans le pantalon. J'ai non, regarde, j'ai même pas mangé, regarde. Tu le manges. Vas-y, mange-le. Ça va niquer la... Toi, tu veux manger un entier? Bah, j'ai presque fini, ouais. Moi, je peux pas.
Attends, ne prends pas quand je fais ça, s'il te plaît. Attends, tu sais quoi, regarde, hop. Je fais comme ça, c'est bon ou pas? Ouais. Lève la tête un peu. Encore un peu. Ouvre la bouche un peu. Profil, un peu plus profil. Comme ça? Elle est sérieuse. Elle fait tout ce que je lui dis. Non, mais sérieux, meuf, quoi. Non, mais tu filmes.